officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Politique. Qui a dit quoi? Hélène Nougaro. Après Jacques Brel, voilà ce que disait Claude Nougaro sur l'artiste. Un artiste, c'est un autre. Je suis un type qui me court après et cherche à saisir en moi une réalité sur laquelle je ne débarque jamais, mais que je pressens. Et cette course que j'ai en moi, eh bien, je te la propose, mon frère. Est-ce la tienne aussi? Si c'est la tienne, nous allons courir ensemble. La trame profonde de la vie, on l'écrit toujours sur du noir. Quand Picasso peint Guernica, il décrit l'horreur du monde, mais il la transfigure par la beauté de la forme et de l'art. C'est une sorte de sanctification. La forme est tellement belle que ça vaut le coup d'être triste. La vie prend un sens. Pour moi, c'est le rôle de ce que l'on appelle un artiste. Estan sobre Goyo.
livre s'appelle comment? Cherche pas ça là, tu verras bien. Ça s'appelle Blues du Flows. Blues du Flows. D'accord. On va les réveiller un peu le peuple. Regarde, tu vois, le truc. Ah, c'est bon, le truc? Ouais.
Mesdames et messieurs les actionnaires, assistons donc à nos jeux du cirque qu'ensemble, vous le savez, nous fabriquons. Je suis une fleur sans rire, jolie butterfly, et toi, tu es comme la douce licorne éclatante. Les hommes entraient dans des restaurants. J'étais là, Gargantua s'embrassait de leurs énormes plateaux d'huîtres laiteux, leurs coquillages marins, leurs poissons, leurs jambes en sauce, leurs cochonneries, leurs cochonnades, leurs religieuses en chocolat et du vin pour la table. L'atmosphère s'égayait avec cette lumière spéciale dont parfois les hommes ouvrent leurs yeux. Puis ils payaient par carte bleue, tandis que je décroissais mes billets. Ils se levaient, je me levais, les Gargantua en barrigeau sur leurs billets. Les hommes entraient dans des bars. Ils buvaient de la bière ou du cognac. Ils rigolaient beaucoup. Très sérieusement, un fait de la conversation, je les voyais. Leur bien-être m'atteignait. J'en commandais autant. Mon ivresse commençait. Les hommes sortaient des bars, leur emboîtant le pas à quelques pas derrière. Je pouvais rire de leur mouvement se titubante quand Gargantua péniblement se leva, se mit à uriner qu'on aurait dit la pluie. Et les hommes se précipitaient, il a à l'abri vers d'autres bars. Et moi, dedans, pourquoi ces obsessions à vouloir leur ressembler, à vouloir les comprendre, à vouloir les dépeindre, à vouloir les aimer? Moi, le voyeur, l'artiste, l'écrivaillon, leur tristesse me touchait. J'en commandais autant. Et moi dedans, et moi dehors. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre un groupe de la RDC à Paris, la Mauguenie. On découvre. Donc nous, on est des villageois dans France, dans Paris, ouais. Avec notre groupe Village Bongania. Ouais. Lui, c'est notre chef d'orchestre, ouais. Zebolande. Yes. Il est fondé, il n'est pas là, il a voyagé hier, il est en vie. Il y a le chanteur Bill Ostar, yes. Nathan, Gomovich. Yes. Il y a Trigo Choumaniché, chanteur, yes, aussi. Ouais. Il y a moi-même, Ag, comme tu le sais, colonel Mazou. Je commence à chanter maintenant. Chez Movis. Il a toujours chanté. Il a Bob. Ouais. Bob est là. D'accord. Lui, il est toujours là. C'est la même aussi. Il mélange tout. Maintenant, il essaie d'apprendre la Non, non. Lui, il est là à côté un peu de l'internet et des jeunes. Mais il manque beaucoup de gens. Ben ouais. Sangamaina, Birifien, Dotonanga, Maya,
La musique qui vient de la forêt équatoriale. Yeah, c'est ça qu'on recherche. Donc, et j'ajoute village Mongania. C'est un vrai village qui existe dans la province de l'Équateur, chez nous au Congo. C'est un petit village vraiment fin fond de la forêt équatoriale. Donc, il y a l'un de nous, le fondateur, qui vient de ce village-là et de ce village. Village Mongania. Yes. Voilà. Continuer du village. Oleko Porokondo. Il est ici. D'accord. En tout cas, Kokombola, Dele Koto Bomanganyama. Bomanganyama, Tikoleke. Bomanganyama, Tikoleke. Kokombola, Dele Koto. Kokombola, Dele Koto. Bolande, jende en folele, jende en folele. Bolande, yoka kolonele a konzemba o. Bomanga nyama tikolege. Bomanga nyama tikolege. Nkokombola ndele koto. Nkokombola ndele koto. Mamaria kate nyama tato kaya. Tato kaya nyame sile, bona yaka yo tuve, kino saka bofotama, talo kasa, bona mosaka, bona nyama, bona lotea, solo fela, bono nami, Merci. Bonjour. Violenter, dominer, écraser l'autre est toujours dans l'action de l'homme. Pourquoi ? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La cour. L'incompréhension. Donc la non-maîtrise des émotions conduit toujours à des situations sanglantes parce que manque de raison. D'accord. L'émotion qui est la raison à une autre échelle manque. Au revoir. Et à bientôt pour une autre idée. Yeah, greetings. This is Rasnaya in Paris.
original from Africa. I'm blessing and blessing. This is today is Ethiopian Day, is universal day for the all the people, black, Indian, Asian. Our blessing for Rastafari, we are talking about love. And this love is unity. A unity we are playing for the people who lost their brother and sister for 2 days back. Yeah. A police, which is a security for the Rasta, for the whole humankind. Yeah. We Rastafari, we say the condolence, yeah, for the all those people that lost their brother and sister. Yeah. And we are together with them. Rastafari, we say love. And love is unity. There is no Christian, Muslim, any kind of religion. We are playing one man called Alpha and Omega. Yeah. Selassie I, the King the Force. Selassie I. Rastafari, so come, yeah, play King Solomon and Sheba. Come and see the land of Judah. Come and we tell you we go to Mount Zion. Yeah. Rastafari, this is Rastaya, yeah, Paris. Rastafari. Love. Love. What's your name? I am a Robbie I. Yeah, cool. Full of respect, man. Yeah, man. And I feel good under Babylon system and every week. Yeah, man. I see a good see. Yeah, best. Respect I. Respect. Good. He's a liar. A liar, a liar. He's a liar. Christopher Colombo is a liar. I am who I know. I am who I say. I am a reconciler. I am a single believer. Thank you.
body. Smile with the rising sun. Bonjour Exodus. Bonjour Selecta Kati. Bienvenue à Paris. Merci. Sur Gojo TV. Merci vraiment, merci. Vous avez été trop trop sympa. C'est la première fois que tu viens en France? Bah, c'est la première fois, disons, parce que c'est la première fois que je commence à vraiment faire un peu de tour en France et tout ça. Une première, c'était juste pour Action Business avec les studios, voir un peu. Donc c'est la deuxième fois quoi. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Et là aujourd'hui vraiment je suis là en France pour promouvoir surtout et les messages qu'on a en Afrique pour le monde qui concerne tout le monde vraiment. Et pour ça, je me suis dit qu'il fallait partir aussi à Paris parce que voilà, le message c'est pour tout le monde, c'est mondial. Donc c'est aujourd'hui je suis là pour ça. Donc tu es venu faire un... Bon, tu es aujourd'hui en France, mais tu es venu faire un petit tour d'Europe, je crois. Un petit tour d'Europe, oui, surtout. Ouais. Pour présenter ton travail. Mon travail, surtout, oui. C'est ça, quoi. C'est le message, quoi, tout le temps. Qui veut venir, parce que moi, je me dis, voilà, c'est le travail, mais voilà, ça s'est fait dans les supports, comme le CDG a envie de sortir, tout ça. Mais il y a toujours le message qui est là-dedans qu'on va faire passer dans le monde entier, quoi. Et c'est qui nous amène ici aujourd'hui. Comment tu as commencé, toi, dans la musique? Quelles sont tes sources d'inspiration? Bon, mes sources d'inspiration, c'était vraiment au départ, comme beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, c'était la danse. Voilà, j'ai commencé à parler de la danse, par-ci, par-là. Après, j'ai un peu commencé le hip-hop, comme tout le monde. Voilà, c'était une chose qui nous a bercé aussi, quoi. Et j'ai fini par être conscientisé par le reggae, quoi, après. Parce que là, j'ai après écouté Bob Marley, Dancy, que j'ai beaucoup aimé, qui m'ont inspiré au fil du temps de grandir dans la tête, de comprendre comment ça allait dans le monde et tout ça. Et j'ai décidé de prendre un peu de composer un peu de reggae, chanter, voir. Après, j'ai pas fait pas mal de groupes, quoi. Voilà, le passage, quoi. Raconte-nous comment ça s'est passé. Bon, après, j'ai eu à rencontrer beaucoup de gens. Un ami, d'abord, Papa Jimmy, quelque chose comme ça. On a fait un groupe de rap, comme je l'ai dit. Mais moi, j'étais toujours dans le chant. À chaque fois, j'étais le chanteur, quoi. Après ça, j'ai rencontré beaucoup d'MC aussi, du côté de Deguiti. Il y avait Donge et tout ça. À l'époque, c'était Hellfit et Macris. On a formé notre groupe, Kalamou, Mendy, Maréchal, bon, plein de gens. Et là, on a commencé à faire vraiment, à chanter, à mettre des thèmes un peu forts. Et il y avait des rappeurs à l'intérieur. Et comme je l'ai dit tout le temps, moi, j'étais toujours dans le chant. Et de là, je suis sorti de Hellfit, bon, qui auparavant, après le premier album, tout le monde était presque parti. Et j'ai rencontré Fambi, dit Ghetto Youth aujourd'hui. Et avec Fambi, c'est là où j'ai plus encore pris le reggae. Lui, c'était le reggae, tout ça. Et comme j'ai dit, ça m'a conscientisé, quoi. Ça m'a donné vraiment la chose qu'il fallait pour développer dans ma tête. C'était le chant, mais après, j'ai eu à écouter les Gunnett Seal, tu vois, Bob Marley un peu. Et ça m'a inspiré. Et là, j'ai fini par chanter avec Macris, que j'ai créé African Band. Finalement, c'est devenu African Black Root aujourd'hui et Exodus présent tout le monde. Et là, j'ai commencé ma carrière solo depuis un bon bout de temps, quoi.
Et depuis, j'ai commencé à carrément essayer de foncer dans le live au Sénégal, en Afrique. J'ai beaucoup fait le tour en Guinée, Mali, Gambie, tout ça pour essayer de développer vraiment la musique avec les frères, les sisters aussi, tout le monde. Et voilà, et ça a amené ça aujourd'hui, car on est en France aussi pour continuer le rêve qui doit se réaliser, parce que c'est Dieu qui nous mène jusque-là. Et on compte bien asseoir ça, ici au Sénégal et partout dans le monde. Quoi. Et c'est ça quoi. Pourquoi tu as choisi ce nom Mystical Exodus? Bon, Mystical Exodus, bon, d'abord parce que voilà, ça a été un nom qui m'a beaucoup frappé. De par les sons, surtout de Bob Marley, Exodus, Movement Jah of People, simplement. Simplement, et j'en fais partie, on en fait partie, quoi. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi pas, c'est un gros message Exodus, il ne faut pas que ça soit juste dans un morceau ou peut-être dans des paroles comme ça. Il faut que je l'immortalise, quoi. Il faut que je parvienne à garder le message là-haut et fort. Exodus, le nom, Movement Jah of People, tout va. Et voilà, quoi, et ça y est, j'ai adopté le nom Exodus. Et que je sens qu'il me va bien parce que voilà, c'est Exodus quoi, le monde. Ouais. Comment ça se passe dans le mouvement reggae au Sénégal? Bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble avec les frères, tout ça. On essaie de faire aller de notre manière, de notre biais aussi. Et tout le monde s'accroche aussi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que voilà, les moyens des fois ne suivent pas. Le reggae comme partout, il est un peu des fois mis à l'écart, les gens ne s'y investissent pas. Et pourtant c'est une chose importante, il y a des messages importants dans le reggae. Et voilà, les gens des fois ça ne suit pas là-bas. Donc c'est un peu difficile à la fois. Et voilà, on s'accroche pour vraiment faire aller ça avec les frères, comme j'ai dit. Que je passe même un big up au passage. Yes. Yes, on big up tous les frères qui sont au Sénégal, yes, qui nous écoutent, yes, aujourd'hui. Yes. Tu es un artiste aux multiples talents, Exodus. Tu es musicien, puisque tu joues de différents instruments. Tu es auteur, compositeur, chanteur, bien sûr. Tu es aussi producteur. Toi, l'art, quoi. On essaie, c'est pour cela, quoi, parce qu'on est obligé de copuler tout en nous, quoi. De faire comme on dit 10 en 1 pour essayer de faire passer le message, pour essayer de faire passer la musique reggae, tu vois, pour vraiment que ça soit sur place, parce que on n'a pas trop de gens qui sont dans la place pour faire passer. Donc on est obligé de tout apprendre des fois pour vraiment poser la chose, quoi. Donc c'est ça, on devient homme à tout faire, quoi. Voilà, en même temps on est au studio, en même temps on compose nos musiques, en même temps on joue à la batterie ou à la basse ou faire les mix ou même des fois des vidéos sur scène on fait pour les artistes. Mais c'est pour juste que le mouvement aille bien et donc on se limite pas quoi. Et toi tu te positionnes comment en tant qu'artiste? Est-ce que tu es un militant? Bah ouais, il le faut. Yes. Ici à Paris, yes. En France en général, mm. Pour ton tour d'Europe. Yes. Ben, on attend avec impatience ton album. Ouais, qui ouais. Rappelle-nous le titre. Là d'où je viens. Qui s'appellera Là d'où je viens. Yes. Peut-être il y aura une chanson qui s'appellera aussi bien sûr, Là bien d'où sûr. Je viens bien sûr, dans l'album. Bien sûr. D'ailleurs, je viens de vous chanter ça tout de suite, c'est le Sénégal. Ah, ça, c'est une chanson c'est d'album. Ouais. Ouais, parce que j'aime bien Là d'où je viens, le Sénégal, parce que j'ai grandi là-bas, j'ai connu là-bas la vie, j'ai beaucoup fait dans le Sénégal, quoi. Voilà, c'est ça ma racine, quoi. Donc mes racines, la fatigue, voilà, plus précisément Djangai, et ainsi de suite, voilà. Donc ça, c'est ça, quoi, c'est là d'où je viens, quoi. Je ne peux pas l'oublier. C'est ça qui me forge, c'est ça qui me rend fort. Ouais, même quand j'ai de la peine, je sens, voilà, les racines vibrer, voilà. Et je suis en joie. Donc on se revoit dans quelques mois pour la présentation de cet album. Yes. Tu nous feras découvrir tous les titres. Tous les titres, Inch'Allah. Ça me fera plaisir, bless. Merci Exodus. Yes, c'est la Takati. C'était Exodus pour Kodja TV. Yes. One love. Yes. Yes, Exodus Senegal, you know, from fire burning any place. Select Takati, you know. Gojo TV, yes, Senegal.
friends, yes, listen up. Break it down, take it slow, break it right, take it back, take it easy. I'm so wrong, you're so bad, baby, don't speak loud, so bad. Break it down, take it slow, break it right, take it back, take it easy. I'm so wrong, you're so right, baby, don't speak loud, so bad. Fidelity disguised. I won't have any feeling leaving. So please don't try to put me back. Without you, my life is fine. Can't shoot, I'm ready. Always let time delay. Don't ask, you're my sorry. Now I live without my sorry. Take it down, take it slow. Take it right, take it back, take it easy. So right, baby, don't think love is so right. Take it down, take it slow. Take it right, take it, baby, take it easy. So right, so right, baby, don't think love is so right. Won't keep any of your love. Your life, I am burning in your car. I felt so, so angry. Can we try? Respect your sister. Take someone. Take it down. Take it slow. Take it right. Take it easy. Take it easy. I'm so wrong. I'm so right. Baby, don't speak while we're so right. Take it down. Take it slow. Take it right. Take it right. Take it easy. I'm so wrong. I'm so right. Baby, don't speak while we're so right. It's magic. How can a nation believe in this way?
Jose. How can this government play so many games? Tell me your talk to the crowd. God is much more than a construct. Certain things they always got some. You and my come, take a look for me better. Do you see everything? À bientôt sur Gojo TV.